Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 30 ans, je suis fonctionnaire aux achats, j'ai une fille, elle s'appelle Léna, elle a 5 mois. On commence la diversification avec le Baby Cook de Béaba. Il y a la machine principale, il y a un bol, il y a le panier dans lequel on y met nos légumes, il y a un filtre à smoothie, une spatule, un livre à recettes et une notice d'utilisation. On commence par notre première partie. Il s'agit de la cuisson à vapeur des légumes. Pour cela, on verse l'eau du bol dans la machine principale. On y insère le bol dans la machine. On met le panier à légumes. On ferme le couvercle amovible et on appuie sur le bouton pour une cuisson à vapeur. La cuisson à vapeur est terminée. Nous allons passer à la deuxième étape. Il s'agit de mixer les légumes selon la texture de votre choix pour obtenir la purée de bébé. Grâce à la spatule, nous attrapons le panier. Nous versons le contenu dans le bol. Et nous effectuons le mixage. Le repas de bébé est fini en moins de 10 minutes. Comme vous pouvez le voir, la purée de carottes est prête. Celui-ci, il s'agit du Baby Cook Solo Dark Grey. Il existe aussi en version duo et avec différents coloris. J'ai eu un coup de cœur pour celui-ci car il est très petit, très compact, se glisse assez facilement dans le tiroir de la cuisine, ne prend pas de place mais réalise un réel gain de temps en préparant le repas de bébé en 10 minutes. Fan des produits de Béaba, je le recommande. À très bientôt !